Hello everybody, bonjour. Hello. Bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. J'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui se trouvent à Koh Samui en ce moment et notamment ce week-end les 17, 18 et 19 mars. En effet, en septembre dernier s'est tenu le premier Mui Ciné Festival à Koh Samui. Et la bonne nouvelle est que le festival revient à Koh Samui pour sa deuxième édition les 17, 18 et 19 mars 2023. Le nom est Mui Cinéma. Il s'agit d'un ensemble de programmes et d'événements dignes d'intérêt. Je remercie Mind, mon professeur de thaï, qui a bien voulu me donner des détails concernant l'organisation de ce festival. Les images que vous voyez sont bien sûr extraites de ma vidéo que j'avais faite l'année dernière pour vous donner un petit peu une idée de ce que vous allez trouver sur place. Le programme cette année s'enrichit. Il s'agit en effet de pouvoir avoir l'opportunité de goûter des productions locales, de la nourriture, des bons petits plats locaux. Il y aura également des expositions de photographie ainsi que des démonstrations. Vous allez pouvoir voir des chefs produire des bons petits plats thaï ainsi que des desserts. Il y aura également des artisans locaux qui feront des démonstrations de leurs travaux en utilisant le matériel local et notamment la coconut. Mais ça n'est pas tout car bien sûr, qui dit cinéma dit représentation en plein air. Pendant 3 jours, les 17, 18 et 19 mars 2023, donc, vous allez pouvoir assister en plein air gratuitement à pas moins de 8 séances de cinéma. La première séance à 20h propose une version de cinéma en thaï, évidemment. Le deuxième créneau horaire à 22h propose des séances de cinéma en anglais. Vendredi 17, Hangover. Je citerai également samedi 18 à 1h10 du matin, Lost in Thailand. Et dimanche 19 à 22h, Forrest Gump. Il y aura également une autre séance de cinéma à 1h25 du matin. Je mettrai le détail de la programmation cinéma dans le descriptif de ma vidéo. Mais ça n'est pas tout. Beaucoup d'activités seront proposées. Je vous invite notamment à l'ouverture des cérémonies le vendredi 17 mars à 16h. Également une démonstration de lâcher de crabe bleu à 17h. Et là, un petit coup de chapeau aux habitants de la communauté de Bantai qui s'investissent énormément pour cette activité. Il y aura des danses traditionnelles également et aussi un grand nombre de performances musicales à la fois le vendredi, le samedi et le dimanche. Je mettrai là aussi le détail que j'ai pu obtenir dans le descriptif de ma vidéo. Pour faire connaître la culture locale, le samedi 18 mars, on nous propose un concours de tissage de coco à 16h. Également des performances musicales et j'ai noté à 18h30 un défilé de mode textile thaïlandais avec des réalisations locales. Ce festival va se tenir dans le sud de l'île, du côté de Lam Sor, pas loin de Lam Sor Beach. Il y aura des panneaux pour vous indiquer et un grand nombre de places de stationnement gratuits. D'ailleurs, l'entrée de ce festival Mui Cinéma est totalement gratuite. On compte sur vous pour consommer les bons petits plats locaux qui seront proposés. Et vous aurez également sur place des articles souvenirs à acheter pour participer. Entre les dégustations, les activités, les spectacles de danse, les performances d'artistes, et les soirées cinéma, il y aura vraiment beaucoup à faire à l'occasion du Mui Cinéma les 17, 18 et 19 mars 2023. Bonne balade, profitez bien. Bye bye.